Salut tout le monde, je suis ici à Buenos Aires, dans le quartier de Puerto Madero. C'est un nouveau quartier qui n'existait pas il y a 25 ans. C'est assez à la mode, on refait les docks, les ports, et puis on met tout ça à jour, oui. Enfin, bon, on a besoin de place pour des nouveaux immeubles aussi, bien sûr. L'eau que vous voyez derrière moi est brune, pas bleue, c'est l'eau du Rio de la Plata. C'est de l'eau douce, c'est pas de l'eau salée. C'est très peu profond et les bateaux ne pouvaient pas arriver ici jusqu'à la fin du 19e siècle. L'ingénieur Madero avait dû faire des travaux très importants pour permettre aux bateaux d'arriver. Ils doivent draguer continuellement, creuser le fond pour avoir plus de place pour que les bateaux puissent arriver. Ils ont une route exacte qu'ils doivent suivre. Et voilà. À ma droite, vous avez un nouveau grand musée de Buenos Aires, le musée de Amalia, la Crosse et des Fortaba, qui était la femme la plus riche d'Argentine, qui avant de décéder a fait son musée, et c'est surtout des collections d'Argentine, mais c'est très beau. Et puis elle fait aussi des expositions temporaires. Oh, c'est un beau musée de catégorie mondiale, oui, je vous recommande, bien sûr. Oui. Voilà, il fait beau, c'est tout pour aujourd'hui, je vous en parlerai plus la prochaine fois. Merci, au revoir, à bientôt, bye bye.